Je m'appelle Jean-François Carré et puis je suis un aventurier. Le type de plein air que je fais, c'est du kayak de mer, du canot d'eau vive, l'escalade en alpinisme. Je suis aussi pompier, c'est mon travail régulier. La philosophie dans la vie, c'est de faire des aventures, de vivre le moment présent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent pas le moment présent, qui sont pris dans une routine et la vie leur échappe. Quand j'étais jeune, je rêvais de gravir l'Everest. Et en 2006, à 24 ans, je l'ai fait, j'ai atteint mon rêve. Je suis devenu le plus jeune Canadien à le faire. Dans des situations dangereuses, c'est crucial d'avoir une bonne vision. Sur une montagne, à moins 40, moins 30, mettre un contact, c'est quasiment impossible. Tout de suite après l'Everest, j'ai décidé d'avoir une solution plus permanente. J'ai décidé de faire l'intervention, donner ce cadeau-là de moi à moi. En tant que pompier, je sers ma communauté, je conduis des gros camions, je monte des échelles, je vais dans des édifices qui sont en feu. Les gens, ils comptent sur moi. Je me sens vraiment vivant quand je suis dans des situations incontrôlables. Sauf que je peux contrôler ce que je fais, comment je me prépare. Pour moi, la vie, c'est une grande aventure. Je suis toujours à la recherche du prochain défi et c'est vraiment ça qui me rend heureux.